restaurant italien sans gluten. On a essayé d'avoir des plats encore avec gluten, deux pâtes et une couscous. Mais en fait, on a vu que ça ne donne pas ce qu'on voulait et on préfère devenir 100% sans gluten. On a choisi d'avoir un côté un peu bio-naturel et de mettre dans les assiettes un côté nature et à côté des sans gluten et rester toujours dans cette image de la cuisine un peu italienne, oui, parce qu'en Italie, on ne connaît pas forcément que fait pizza et pasta. Et on fait beaucoup de choses, donc on a cherché de mélanger un peu tout ensemble et de faire sortir un produit qui ne se trouve pas à droite à gauche pour Paris. Aujourd'hui, on va faire un pizza classique margherita, mais en fait, on utilise du farine du maïs et qui on aide à ouvrir bien notre pizza. Pour l'ouvrir, c'est pas comme les pizzas traditionnelles, c'est un peu plus délicat. Il faut en fait l'ouvrir doucement, comme ça, petit à petit, avec les mains. La sauce tomate, c'est du tomate pelée classique avec de l'huile d'olive, basilic et sel poivre. Rien d'autre.